les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter une 240J. Bon, bah, vous la connaissez un peu tous quand même sur les réseaux. On a mis assez de publications sur ce véhicule. Le client nous a laissé carte libre pour faire la prépa moteur, esthétique et châssis. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé sur la voiture. Voilà, du coup on va faire, on va commencer par l'esthétique, ce qu'on a fait en premier. Du coup là on a mis une lame style imperf avec du covering pour faire des plus grosses bouches. Là, voilà, normalement c'est rouge, là on l'a passé en noir pour que ça fasse une bouche plus agressive. La calandre noire, je crois qu'elle était d'origine, il me semble, on l'avait pas touché. Plaque noire, ça c'est la base. On a mis des rosettes ultra leggera en 19. Alors la taille devant c'est 2,25-35-19. Et à l'arrière, il me semble, c'est 2,55-35-19 ou 30. Voilà. La voiture, elle dispose pas de cales. Elles ont déjà un gros départ. C'est pour ça que la jante, elle vient lécher l'aile. Mais oui, c'est clair. Puis, ressort courant HR, moins 35. La voiture, elle est bien rabaissée. Même quand on est, franchement, on est 4 dedans la voiture, c'est dur. Tu vois, ça passe limite. Du coup, vu que c'est une phase 2, c'est une LCI, donc elle a les feux de la LCI. Voilà. Le béquet, on avait commandé un béquet en noir laqué, on l'a reçu en carbone. Du coup, on était obligé de le repenser, le repeindre. Mais bon, il a une histoire ce béquet, on l'a fait repeindre 3-4 fois au carrossier, parce qu'une fois, il avait oublié de peindre le côté, là. Je sais pas pourquoi. Du coup, vu qu'on est maniaque, on essaye de faire les choses bien. On a mis les logos noirs. Même sur les côtés, les badges et tout, tout ça. Diffuseur arrière M Performance. Nous, on n'a pas décidé de garder tout en noir le bas. Moi, j'ai décidé de lui faire en rouge comme ça, là. Et juste la partie du diffuseur central en noir. Elle dispose d'une ligne Akrapovic complète en titane. Ouais, c'est pas une wish, hein. Tu peux filmer en dessous si tu veux. Ça, je vois déjà les commentaires. Ouais, mais il a commandé les embouts chez AliExpress. Il les a reçus en 3 semaines. Voilà, non, c'est une vraie. Les catajups en noir. Qui donne un look plus agressif, recule un peu, ou un peu la voiture, un peu. Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent. Guette l'engin. Ça lui va bien que c'est gentil, tout. Ah, elle est belle. Ouais. 8 teintés à l'arrière. Les carreaux noirs. Voilà. Là, on a mis coque de rétro, style M2, comme tout le monde fait. Oh, j'en vois même sur des Golf maintenant. Oh, y a des mecs, ils arrivent avec des Golf 7 et tout, ils ont ça. Je te jure. Non. Logo noir. Voilà, on revient sur la face avant. Franchement, c'est vraiment une belle voiture. Voilà, niveau motorisation, on est sur un 3 litres turbo, un B58. Voilà. Bah, on voit rien, tout est d'origine. Hormis dans la boîte à air, il y a un filtre à air. Des kata et des fab sur ce modèle parce que c'est une 2019. Voilà, après il n'y a rien de plus. Hein. Il y a la ligne complète, des kata et admission. Il faut rien de plus, de toute façon. On n'a pas touché au pont puisque la voiture est récente. Le client ne voulait pas dépasser les 500 chevaux dans tous les cas, donc voilà. Ça ne paraît pas. Hein. On va filmer l'intérieur également. Mais celle-ci, elle est vraiment full option. Il manque juste le cuir. Après, moi je trouve que ça donne un côté assez sportif quand même avec l'Alcantara. Voilà, l'armoire cardon, tour, les aides à la conduite, au volant, là-bas le bouton. Armoire cardon, grand GPS, elle est vraiment bien équipée. Torrent. Voilà. Comme j'ai dit, elle dispose d'une ligne Akrapovic en titane. Donc c'est vrai que le goût, il est vraiment, vraiment rock. Là, on attend que le ralenti tombe, on y retombe. Vas-y, mode confort. On va écouter mode confort déjà. Mode confort. Mets-le au mode sport, s'il te plaît. C'est sûr qu'on n'entend plus. Ça a dû
Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment une belle caisse. Bon, allez, vous faire un essai? Allez. Alors, l'intérieur, comme on a dit, elle était bien équipée. Là, c'est la boîte automatique, le frein à main, tout ce qui est pour commande GPS. Vu que c'est la dernière, il est tactile également, c'est chauffant. Palette au volant, là, c'est les aides à la conduite. Compteur semi-digital. Semi-digital, en fait, c'est pas un écran. On dirait un écran, mais c'est pas un écran. En fait, c'est un black panel, ça s'appelle. Voilà. C'est peut-être en mode confort au début. Bon, c'est parti pour l'essai de la 240i. Bon, il faut dire qu'on a fait une petite prépa dessus. Le client nous a demandé dans les 470, 480 chevaux. Du coup, avec un mixte E40, on arrive à 508 chevaux et 730 de couple. Voilà, avec une carto avec un peu d'éthanol, E40, quoi, c'est 40% d'éthanol. On a fait une carto boîte également stage 3 avec le rupteur décalé. Voilà, c'est une voiture très polyvalente. Là, on est en mode confort, on peut rouler tous les jours. Il n'y a aucun problème, c'est pas tape cul. C'est une très très bonne voiture, une très très bonne routière. Et le moteur, il est vraiment rageur. Juste le petit bémol. Après, moi, je suis un peu un gros gabarit. Et vu que j'ai goûté aux séries 4, je trouve que l'intérieur est beaucoup plus grand que les séries 2. Alors que quand j'avais la M2 compétition, ça m'allait très bien. Voilà. Juste, je trouve ça que c'est un peu dommage, quoi. Après, c'est une bonne voiture. Hein. Dans l'ensemble, c'est vrai que ça change. Ça change dit. Après, on en voit beaucoup quand même maintenant des 140i, 240i. On voit beaucoup de 140i. Après, un 240i, quand même, ça a un budget assez conséquent. C'est un peu moins vieux. Voilà. Ouais, c'est un peu moins vieux. Surtout dans cette config. C'est sur le mode sport directement. C'est le bouton S. On voit que la boîte est vraiment rapide. Filme le cadran si tu veux. Vas-y, on le voit. Regarde. Un petit départ arrêté, voilà ce que ça donne. Vous avez pu le voir, les 500 chevaux sont bien là. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comme il dirait GMK quand il démarre la voiture, c'est la série 525 chevaux, ma couille. Touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vois qu'on a pris quelques abonnés encore à plus. ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, je vois que des bons commentaires. Merci sur, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je vois qu'il y a pas mal de monde aussi. Sur TikTok aussi, je fais quelques lives de temps en temps maintenant. Ils m'ont donné la maladie, Chozo, Fred et tout ça, eux à perf. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. N'hésitez pas. Abonnez-vous surtout à Evo Prod aussi. On n'en parle jamais. C'est lui qui fait les montages. Je voulais le remercier pour ça. Il fait vraiment du bon boulot. N'hésitez pas à aimer son Instagram, à le follow, tout simplement. Voilà, merci les gars. Merci.